Salut tout le monde, c'est Christiano et bienvenue sur cette ouverture de cartes Pokémon. Ça va être tout simplement fou. Alors aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que j'ai pas encore ouvert de cartes Pokémon, donc on va voir dans cette armoire juste ça. Bon, on va voir l'armoire à l'intérieur, qu'est-ce que c'est, à quoi là. Et puis ouais, à partir de maintenant, j'ai mis mes cartes Pokémon ici. Bon, les produits qu'elle a. Parce que, bon là, c'est les cartes Pokémon que je garde là. Et puis les produits juste là-haut. En fait, j'ai déjà ouvert tous mes packs aléatoires que j'ai mis comme dans le coffre. Et j'ai gardé les cartes de Scarlet Valley ici. Ah oui, surtout, j'avais pas eu de bonnes cartes de Scarlet Valley. Mais dans les autres sets, j'ai eu des bonnes cartes. Sauf que j'ai pas assez de temps pour montrer ça. Bon, c'est parce que c'est rangé là, bon sang, mais. Donc voilà. Mais aujourd'hui, qu'on va ouvrir, c'est pas ça. C'est sûrement ça ou ça. Ou les deux. Parce que ça me donne envie d'ouvrir ces deux boîtes là. Pour les débarrasser. Parce qu'à partir de maintenant. Restez-moi si vous savez pas. Moi, je sais pas quelle boîte je vais ouvrir. Et de toute façon, genre, pas ouvrir, mais comme quel produit j'achète, quel goal je fais. Mais à partir de maintenant que j'ai envie de faire comme goal, c'est acheter tous les produits de Écarlate et Violet. Sauf les produits qui ont des impact singles. Vous savez, les Chuckle Blister, là, le type Bind de machin là. Les produits qui ont juste des ETB. Genre, j'ai déjà deux ETB sur ça. Que j'ai acheté depuis deux jours. Ouais, j'ai eu extrêmement chance. Je sais pas là. Parce que c'est Scarlet Valley comme produit, comme truc. Donc voilà, ça c'est comme la liste. Ainsi que d'autres produits que je vais acheter au futur de Scarlet Valley. Parce que je préfère ça. Parce qu'ils ont complètement changé les cartes de Pokémon maintenant. Depuis que Scarlet Valley était sorti. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Mais de toute façon, je crois qu'on va ouvrir ceci. Et peut-être ces boîtes-là aussi. De toute façon, tout dépend pour le temps laquelle la vidéo sera. Mais on va commencer avec ouvrir cette boîte-là. Et ouais, pas de niaiser. Oh les potos, on a plus de temps de niaiser, on va commencer à ouvrir ces boîtes là. Le Deoxys, VMAX et V-Star Battle Box. J'ai juste envie de débarrasser les boîtes produits de épée et bouclier. Parce que j'ai en train d'acheter les produits de Écarlate et Violet, la nouvelle série. Genre la nouvelle génération, une nouvelle génération, un truc comme ça. Et je vais débarrasser les boîtes de épée et bouclier juste parce que je crois qu'on a fini avec ces boîtes là, pas vrai? Ouais, on a fini. Donc ouais, cette fois en passant de ouvrir là. J'ai vu dans les vidéos en scène de Polo et il ouvrait un peu comme ça. Oh. Bon là, c'est une boîte un peu très haute comme ça. Ou à l'avant, tout comme ça. On peut faire comme ça, mais. Il y a un papier gigantesque ici. Je sais pas pourquoi, mais à l'intérieur, il y a ce gros papier qui peut montrer comment on peut faire avec ces cartes-là. Je sais pas pourquoi ils ont mis un gros papier gigantesque. Donc voilà. Puis à l'intérieur, nous avons. Ça fait plus longtemps que j'ai pas encore des boîtes comme ça, donc ça fait plus longtemps, mais. Ah oui! J'ai trouvé comment enlever les cartes, je crois. Genre ces machins là. C'est. Je crois. Bon, là c'est un peu différent, mais c'est un peu comme ça. Et puis ouais. Le code pour vous, si vous voulez avoir ces 3 Deoxys dans le jeu. Si c'est possible. Nous avons Deoxys V. Puis après, Deoxys V Max, qui est gigantesque. Ainsi que. Deoxys V-Star. Je suis censé les trucs d'ailleurs plutôt en passant. Donc voilà. Je vais les plastifier dans quelques instants. Puis après, nous avons un Deoxys V-Star gigantesque, jumbo. Voilà. Et nous avons quoi comme pack? Ah oui, avant ça. Pelvistar. Ah, plus il n'y a que ça. Et puis nous avons quoi? Un Lost Origin. Deux Lost Origin. Donc ouais, voilà. Un Lost Origin, ce que j'aime pas beaucoup, c'est. Et Brilliant Stars. Ouais, ça fait plus longtemps que j'ai pas encore ouvert ces packs là. J'ai ouvert comme 3 depuis une année avant. Mais ça fait plus longtemps. On est enfin de retour à ouvrir des Brilliant Stars maintenant. Mais peut-être pour pas si longtemps. Donc ouais, je vais plastifier les cartes maintenant. Et on va ouvrir ces packs là pour l'instant, oui. Ok les gars, donc j'ai plastifié tous les 3 cartes promo juste là. Et on va commencer avec le set que j'aime moins le plus en épée et bouclier. Oh, obedience, parce que pourquoi pas. Ah oui, cette fois je vais m'entraîner un peu. Est-ce que je trouve comme ça? Ouais, je crois que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir comme ça que là-haut, cette fois. Thanks to un youtubeur appelé Silver Pokémoniac. J'ai vu qu'il avait ouvert comme ça, donc je fais maintenant aussi. C'est beaucoup plus facile. Donc ouais, voilà. Et ouais, on va commencer avec History and Quillfish. Cypher, Togepi, je sais qu'il y a une carte V juste ça. Combi, Chatot, Dartrix. Je sais pas si je prononçais bien, mais on reverse. Et pour finir, nous avons History and Summoner V. Bon, il y a que des trucs de Pokémon Legends Arceus, on sait ça. Il y a que ça. Oh, et Overquake, juste ça. Donc, ouais.
Nous avons déjà une carte bonne aujourd'hui, déjà. Donc, ça commence bien la journée dans Astral Radiance, déjà. Donc, voilà. Ah, je mets les cartes, juste ça. Pour acheter un pack de la journée, cette fois. Ah, j'ai complètement oublié que cette fois, je vais ouvrir comme ça et pas utiliser un ciseau. Cette fois. Et. Ouais, ouvrir comme ça, je crois que c'est beaucoup plus facile, pas vrai? Bah, ouais. Ah, c'est la carte bonne. Je croyais que c'était la carte bonne, mais non, ouais. Donc, nous avons Lithion, là, un truc comme ça. Cassé. Toclet. Ah oui, cette fois, je préfère mieux faire comme ça. Oh. Oublie. Bon, tu crois, on va juste faire comme ça. Et... ouais, c'est. On a une bonne carte de ça. Ah oui. La carte la plus rare de Lost Origin, c'est Giratina V Alternate All. Et ça, on dirait une carte qui va coûter cher, Royodo. J'ai même pas encore vu. Je sais pas si cette carte va coûter cher, mais c'est un full hold. Giratina V, full hold. Je sens que c'est une carte qui va coûter cher parce que. Regardez le hold de cette carte. Oh my god, on dirait une carte qui coûte cher. Et... oh, le CV est encore à l'envers. Bon, voilà. Waouh, deux bonnes cartes dans les deux packs récemment. Bon, voilà. Dernier pack de Lost Origin, ou pas dans la vidéo, mais le dernier de cette boîte-là, de Lost Origin, mais... ok, bon, cette fois, j'ai utilisé un ciseau. Bah, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un ciseau que... ouvrir avec les mains, Wayodo. Donc ouais, teaser ciseau, c'est beaucoup plus facile parce que pourquoi pas les poteaux. Est-ce qu'on va avoir le Giratina V Alternate All? Parce que cette carte coûte comme 300 euros, un truc comme ça. Parce que c'est tellement cher. Oh ouais, par contre, on a une bonne carte juste ça. Et c'est Radiant History and Sneezer. Bon bah, Radiant. Voilà, ça c'est nouveau. Enfin, pas nouveau, mais pourquoi je dis nouveau? Je fais pas mal. Je sais. C'est une bonne carte. Ainsi que lui là. Oh, hello. Waouh, on a eu que des bonnes cartes dans ces packs, oui. Donc ouais, on a eu que des bonnes cartes. Ah ouais, bon. Dernier pack de la journée, malheureusement, je crois que je vais pas ouvrir le Electro V-Box. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, mais... damn, ça fait depuis longtemps que j'ai pas encore ouvert ce pack-là. Ça fait depuis longtemps. Genre, ça fait depuis longtemps que j'ai pas encore ouvert ce set. Ça fait depuis longtemps. Donc ouais, on va rouvrir ça et... je vais pas regarder parce que sinon... oh, le code est juste ça. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement des codes verts dans ce set-là. Donc voilà. Tobwig, Biprof, oh, est-ce qu'on va voir Charles? Lui là, Story. Oh, je trouve qu'il y a une bonne carte là. Execute! Ok. Il vient pas du jeu, mais c'est Rapid Strike Ushifu VMAX. Oh mon dieu, c'est André, une carte qui coûte cher. Oh my god. Et Flygon. Oh my god, on a que des bonnes cartes dans tous les packs. Tous les packs de cette boîte a eu des bonnes cartes. Oh mon dieu. Yo, je dois voir combien il coûte cette carte parce que. On aurait une carte qui va coûter cher. On a que des cartes qui coûtent cher, Royodo. Ah, et oui, le V-Star, juste ça. Regarde la différence. V-Star, puis le V-Star. La carte version de ça. La différence. Ok. Résumé de toutes les cartes bonnes qu'on a eues dans cette boîte. On a que des cartes bonnes dans ces packs. Toutes les packs ont eu des cartes bonnes. Ça, c'était la chance. On a eu Rapid Strike Ushifu V-Max. Radiant History and Sneezer. Guillotine V, oh my god, full all, by the way. History of Summer of V, un Sick Deoxys, Deoxys V Max et Deoxys V Star, les cartes promo. Genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes, oh my god. Parce que les promos, il y a 3 cartes promo. Oh mon dieu, il y en avait beaucoup, oui. Donc ouais, c'était une bonne ouverture. C'était la meilleure boîte que j'ai ouverte de ma vie, man. Ok les gars, ça va être fini pour cette vidéo. Ceci, c'était la vidéo de Deoxys, V-Star et V-Max Battle Box. Là, j'ai dit un peu l'inverse, mais c'est V-Max et V-Star Battle Box. C'est tellement compliqué de dire cette boîte. Mais de toute façon, les gars, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons continuer l'aventure la prochaine fois. Et ouais, aujourd'hui, on a eu que des bonnes cartes dans toutes les packs, Wayodo. Toutes les packs ont eu des bonnes cartes. Si vous aimez cette vidéo, appuyez le like. Et surtout, si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, s'abonner dans la chaîne. De toute façon, les gars, je vous dis au revoir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!